Antoine Tshisekedi, le chef du gouvernement, Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa, pour ce choix tant voulu et apprécié par la grande communauté culturelle. Excellence Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, les artistes comédiens en face de vous en ce jour sont bel et bien organisés, réunis au sein de l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, ANTPC en cycle, dirigé par M. Ndoundi Mambimbi Masumu de Brende et un comité toujours au service de la corporation. Depuis sa création, plus de 20 ans, jour pour jour, l'ANTPC se bat pour les intérêts de leur profession, le bien-être des artistes et comédiens, ainsi que leur formation, à travers l'encadrement des troupes. L'ANTPC compte en son sein plusieurs groupes éparpillés dans les 24 communes de la ville de Kinshasa, dans les provinces et en international. Nous sommes tous ravis de vous voir parmi nous et avons hâte de vous accompagner tout au long de votre mandat. Au nom de l'ANTPC et des artistes et comédiens ici présents, nous vous disons bravo pour ce nouveau rôle et nous vous souhaitons la bienvenue à bras ouverts. Nous souhaitons Excellence, Madame la ministre de la Culture, du
patrimoine. Aujourd'hui est un événement pour nous artistes comédiens, membres de la grande association culturelle dénommée ANTPC, Association nationale du théâtre populaire et cinéma. Événement parce que nous avons enfin un culturel à la tête de notre ministère que nous avons l'honneur de recevoir en cette date qui restera gravée dans l'histoire de notre structure culturelle. La structure culturelle la mieux organisée de la RDC. Applaudissez s'il vous plaît. Excellence, la NTPC qui vous reçoit ce jour a été créée en 2001. Il a donc 23 ans d'existence sans interruption, sans fissure, grâce à l'esprit de compréhension, d'humilité, soutenu par la passion de travailler pour la communauté. Bien que n'ayant aucune subvention de l'État, nous nous organisons grâce à la participation de la bonne volonté de nos membres et personnes disposées à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Notre association a comme but principal la défense des intérêts de ses membres en vue de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. C'est un combat permanent, surtout dans des pays comme le nôtre, pour sortir petit à petit de la situation de précarité très prononcée dans laquelle est embrigadé chacun de nous. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, car votre arrivée à la tête du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine nous nourrit beaucoup d'espoir. Avec vous et nous ensemble, nous sommes convaincus que petit à petit, demain sera meilleur. Pour ce faire, nous vous prions, Excellence, de convaincre vos collègues du gouvernement pour faire adopter la loi sur le statut de l'artiste et bien la défendre au Parlement pour son adoption. Nous sommes certains que vous allez y parvenir. Raison pour laquelle nous profitons de cette occasion pour remercier le chef de l'État, le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour votre nomination à la tête de notre ministère. C'est ici aussi le lieu de remercier la distinguée Première Dame et sa fondation Denise Nyakiero Tshisekedi, qui a sauvé et qui continue à sauver la vie de beaucoup d'artistes et comédiens, ainsi que leurs dépendants, grâce à la mutuelle de santé, dont notre interface et notre collègue, M. Lobé Soukari, que je vous demande d'applaudir. Pour la petite histoire, Excellence, si nous avons introduit ce petit passage, c'est parce qu'il est important. Et nous savons que, avec vous, vous allez être notre interprète la plus assidue. Nous avons une mutuelle de santé initiée par la Première Dame. Eh bien, tous les artistes, dis-moi pour le premier coup, une centaine. Et tous les artistes, qu'ils soient malades, qu'ils soient, je ne sais pas, tout est pris en charge par la Fondation. Et nous n'allons pas à n'importe quel hôpital. La Première Dame nous a choisi les meilleurs hôpitaux qui puissent exister
à Kinshasa. Se promène ou se déplace à l'intérieur du pays, il y a d'autres hôpitaux et d'autres pharmacies qui sont à notre disposition. Applaudissements pour la présidente. Et chaque fois que nous avons un problème, et nous passons par notre collègue qui est notre conseiller juridique, il est membre de notre association, Maître Philombé, président du groupe CIMA. Bref, la petite histoire, puisque je vais mettre une parenthèse, c'est lors d'un entretien que nous avons eu avec la première dame à la cité de Loya, que créer, j'ai eu l'idée de créer cette mutuelle. Et si la première dame a finalement cédé, parce que cela n'existait pas, c'est parce que notre ancien ministre, Jean-Marie Lokundji, et parce que ce ministre a témoigné devant la première dame pour dire, première dame, votre inquiétude n'a plus sa raison d'être. Comme vous avez associé le président Massoum à cette rencontre, eh bien, la NTPC peut s'occuper de cela parce que moi-même, le ministre, j'ai déjà assisté à deux organisations de cette structure. Et c'est comme vous, vous assistez à une première rencontre. Je crois que vous détachez de la fiction. Parce que souvent, quand on parle des associations, parfois c'est comme des moustiques, mais qui font beaucoup de bruit, mais qui ne sont pas organisés. Mais nous sommes sérieux, nous sommes sur terrain et nous faisons ce qu'il faut faire pour les artistes comédiens. Amen. Applaudissez Amen. Encore pour notre ministre. C'est ici aussi le lieu de remercier la distinguée première dame et sa fondation Denis Yadier, aussi ce qu'elle dit. Comme je disais, qui a sauvé et qui continue à sauver beaucoup d'artistes comédiens ainsi que leurs dépendants. Excellence, bien qu'étant vous-même du monde de la culture, cela ne peut pas nous empêcher de vous rappeler certaines de nos difficultés, entre autres le manque d'infrastructures pour nos productions scéniques, projection de nos œuvres cinématographiques, les salles de théâtre, le cinéma n'existent plus. Nous avons beaucoup de théâtre cassérie lors des tournages par de nombreux services d'État, alors d'ailleurs, ils sont protégés, encouragés et subventionnés par l'État. Il est vrai que le foisonnement des chaînes de télévision est à la base d'une création exagérée et incontrôlée de groupes dont la qualité, parfois thématique et technique, laisse à désirer. Cela nous interprète tout en sollicitant votre intervention, Excellence, pour la restructuration de la commission de censure, pour qu'elle revienne à sa première version, où elle était composée d'un représentant de l'État, d'un représentant des parents, d'un représentant, j'allais dire, du culte religieux, et il se réunissait régulièrement pour statuer, pour faire des analyses approfondies sur chaque œuvre. C'est du boulot, et s'ils sont payés, mais ils n'ont pas fait leur travail. Il va sans dire que les artistes et groupes qui présentent des spectacles de qualité ne manquent pas. Mais avec des moyens de bord, il peut faire plus. D'où notre souhait de voir notre ministère posséder de tous les matériels de production nécessaires afin de nous permettre à compétir avec les autres artistes, surtout africains, qui se sont imprégnés, qui se sont inspirés de nous à travers le travail de qualité produit par le groupe Salongo sous la direction de Fethi Tengesana. Excellence, nous espérons avoir d'autres occasions pour
approfondir tout ce que nous avons comme projet et difficulté afin de vous proposer quelques pistes de solutions. Excellence, pour terminer, la NTPC vous réitère ses vœux de succès afin que votre mandat reste gravé dans la mémoire de tous les artistes et comédiens. Nous avons dit. Merci. Pour la prise en charge des soins médicaux de nos artistes comédiens.
Nous nous inscrivons dans cette logique, lancée par la première dame, de pouvoir assurer une couverture santé à tous les artistes, afin d'arriver à une couverture. Dans le cadre de la volonté du chef de l'État incarné par son Excellence Madame la Première Ministre, celle de redynamiser le secteur de la culture, un sommet de la culture sera organisé très prochainement, au cours duquel nous traiterons de toutes les questions et préoccupations liées au secteur, à notre secteur. Ce sommet, voulu par le chef de l'État, sera une plateforme pour discuter des défis actuels, partager des idées et trouver des solutions pérennes, ensemble. Une fois de plus, je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette invitation et de l'honneur que vous me faites en ce jour. Ensemble, portons un message d'espoir et de résilience. Vos voix, vos créations sont essentielles pour éveiller les consciences et inspirer le changement. Pour clore, je vous invite à continuer à rêver, à continuer à créer, à continuer à partager vos talents avec le monde. Vous êtes les gardiens de notre héritage culturel et votre travail est inestimable. Ensemble, faisons en sorte que le théâtre et le cinéma congolais brillent de mille feux. Je vous remercie encore une fois cette invitation et votre attention. Et pour tout ce que vous faites pour enrichir votre culture, vous trouverez en moi, je dirais plus mieux, trouvez en moi un partenaire. Vive le théâtre et le cinéma congolais, vive nos artistes, nos immortels, je vous remercie. Saisissons cette opportunité de votre accueil par les comédiens du théâtre populaire du Congo à Kinshasa pour adresser un vite remerciement et une reconnaissance pointue à la très distinguée première dame de notre pays. Nous citons Madame Denise Biakeo-Tshisekedi, épouse du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. En effet, Excellence Madame la Ministre, qu'il nous soit permis de rappeler à votre guise d'autorité et en vos qualités multiples d'activistes culturels, de Congolaises et surtout des Guinoises, que la situation sociale de l'artiste dramatique congolais n'a guère changé depuis jadis. Tenez, de la première génération des comédiens populaires, Maboké Galien, Molanga Pembe, Maman Ifala, Maman Ewasso et autres, jusqu'à ce jour,
en passant par le célèbre groupe Sarungo et Nzoï, qui ont brillamment servi la nation congolaise à travers la radio-télévision nationale avec des talentueux artistes comme Matfoué Nibal Mondial, Lusubu Dungafwa, Angèle Ndaya, Ntsengo Diangenda, Angèle Ndaya, mon pépé Spaïna, Matondo Matia Sans Souci, pour ne citer que ceux-là, la vie de l'artiste n'attire que pitié et commisération. Et tous sont morts dans une insolente pauvreté. Et presque tous sont partis tôt, voire très tôt, par manque de soins et de santé adéquats. Laissant derrière eux veuves et orphelins dans la profonde misère. Qui sait s'ils étaient pris en charge dans les hôpitaux appropriés selon la pathologie de chacun, certains seraient encore en vie. Oui, Excellence, Madame la Ministre, nous sommes convaincus que si ces icônes avaient été prises en charge, ces icônes de la culture congolaise avaient été soignées. Dès qu'ils tombaient malades, nombreuses seraient dans cette salle aujourd'hui en train de vous acclamer. Mais hélas, ils sont passés derrière les rideaux à fleur d'âge, pour la plupart. Et presque tous, comme nous l'avons dit plus haut, par manque d'un traitement approprié et qu'ils reposent dans la félicité éternelle. Et voilà qu'un jour, au lendemain du décès de mademoiselle Solange Ngolomi Minono, du mythique groupe Salon de l'RPC, morte suite aux conditions précaires de santé, la distinguée première dame Denise Nkérékou-Tshisekedi va se revolter contre cette situation misérable du comédien congolais. Du comédien congolais en général et Kino en particulier. Craignant de voir disparaître cette catégorie de compatriotes, et par là le théâtre populaire congolais, elle va décider, illico presto, de prendre en charge les soins de santé du groupe Salon d'abord, avant de s'étendre à tous les autres comédiens de Kinshasa, réunis au sein de l'association de théâtre national, de théâtre populaire et du cinéma, dirigée par le président Masumu Debrende, Yala Kayala Mambanza. Et depuis fin 2019 jusqu'à ce jour, plus d'une centaine des artistes comédiens et leurs dépendants, conjoints et enfants, sont soignés aux frais propres de Madame Denise Nkérékou-Tshisekedi à travers la fondation qui porte son nom. Épargnant ainsi le pays, ce grand pays culturel, du spectacle désolant qu'offrait le comédien en mendiant, parfois de presse, même une aspirine. C'est ici, pour nous, l'occasion de témoigner solennellement devant Votre Excellence notre reconnaissance et gratitude à Madame Denise Nkérékou-Tshisekedi pour cette grâce accordée aux comédiens et sollicitons que sa bienfaisante main s'étende à d'autres comédiens méritants de Kinshasa et de toutes les provinces. Avec votre autorisation, Excellence Madame la Ministre, je vais inviter tous les comédiens et toute l'assistance à se lever pour dire merci à Maman Denise sous les applaudissements. Excellence, ma
ignorer l'intervention de l'un de vos prédécesseurs, qui a déjà été cité ici par le président Bassoumou. Nous citons le ministre Jean-Marie Lukunji, qui était intervenu lors de notre entretien avec la distinguée première dame pour témoigner du sérieux des comédiens qui sont organisés. Et son témoignage a permis que cette mutuelle de santé fonctionne effectivement. Nous lui disons donc merci là où peut se trouver. Ainsi, qu'il vous plaise, Madame la Ministre, aussi d'accepter d'être notre avocate pour tout ce qui vous a été exposé ici comme problème des comédiens, de rester notre avocate auprès du président de la République, auprès du gouvernement et auprès de toutes les institutions nationales et internationales, pour que, pour le bien-être des comédiens congolais et la promotion de la culture en général. Je vous remercie. Et au Cali. À présent, nous passons directement à la présentation des différentes délégations. PC, Afrique d'ici, et CBT. Afrique d'ici. Représentant de la NTPC Congo Brazzaville et sa délégation. Représentant de la NTPC Angola. Nous commençons par Luanda. Kabinda. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Nous invitons les représentants de l'ANTPC au niveau de l'Europe. L'espace Schengen. Nous invitons la délégation du Congo central. Le président provincial de l'Institut du Congo central. Nous profitons également pour présenter les responsables du district. Chiang. Founa. Merci. Lukunga. Bana Lukunga Rosali. Bana Lukunga Rosali. Nous profitons de présenter le vice-président Lajoua, là où il est. Le vice-président Mario Sombo. Le conseiller Tsakala. Le vice-président Alain Kaïbe. Le conseiller Ladi Essobé. Phénomène. Comme un homme. Comme un homme. La présidente de Pôle, Maman Marie Hélène. Karine Pala et Makata pour le départ. Voilà. Voilà.
conseiller juridique, Faustin, maître Faustin Soukal. Le président Massoumou Debrené. Secrétaire général, il est mort au Conseil. À présent, symboliquement, nous passons à la remise des brevets. Mais avant cela, nous invitons les diplômes. Nous passons à la remise des diplômes d'encouragement. Pourquoi diplôme d'encouragement? L'ANTPC et mon IET, Moussala Oyo, Kobanda, le président de groupe, Bazo Sala, pour l'implantation de l'ANTPC, pour la promotion. Il y a qui dit la vie sur précisément théâtre et cinéma. Pambate, Bazo Kamba, artiste, vous soyez de l'autre côté. Aïe Koussiye, si Bayebi, Natina Yangoana, ANTPC, Pessi Bango, un diplôme à encourager Bango, Bako Banamosala, il y a pour promouvoir, à Nabiso, il y a pour promouvoir théâtre et cinéma Nabiso. Voilà, avec respect, nous invitons. Son Excellence, Madame la Ministre, d'avancer jusqu'à devant, accompagnée du Président de l'ANTPC pour la remise des diplômes d'encouragement. Nous avons 200 diplômes, mais nous allons juste faire l'échantillon de 10%, une vingtaine. 5. Bon, ça va. Mambimbi Masumu de Brende. Faustin Soukari et Lombé. Chico Ngaloufa. Omar Kabongo. Freddy Mario Sombo. Ladi Zongo et Sobe. Johnny Tsakala. Nous allons continuer avec le temps. Karim Pala. Marie, Hélène, Marie, Hélène et Bakata. Nos amis de délégation qui viennent de l'extérieur, de province et de l'extérieur, nous allons profiter. Jean-Paul Mayata. Avant de Jean-Paul Mayata. Alain Kaimbi. Ramsès Ekombo.
Guilherme Makonda Freddy, JP Mavunda. Voilà les champions. Renal Ifoko. Guilherme Baou, Oxygène. Maman, 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 maman